normal. المشكلة هيك أن تقنيات الرسم هو يعني بس تكون سبق الحدث. يعني أنا كرسم وفي نفس الوقت يعني انتبه للصورة ديالي وفي نفس الوقت كنفكر وكنقلب على الفراغ. يعني ديما كنخلي الفراغ واحد محل فراغ. محل فراغ هو اللي كيبني ليا الرسم. هو اللي كيبني ليا الرسم. يعني بزاف ديال الناس كيشوفوا الصورة مرسومة يعني الستيل ديالي انا الاعمال ديالي واش على الرسم ديالي ناس كل شيء كيصنع بحال بحال مش كيصنع. هذا هو اللي بغيت نوضح هاد الرسم ديالي هاد الستيل ديالي الستيل ديالي طورت ومازال نزيد ان شاء الله مازال راني نطور اكثر لان ديما في الانتباه ديالي ديما كنرسم دائما كنرسم ودائما كنتعلم دائما كنشوف شي اضافه دائما كنشوف شي حاجه اللي هي تخلقات واخا يعني حاليا ربما شفت حوايج اخرين اللي هما اكثر غادي نغير لان ديما لاحظتو ديما كتلقاوني انا كنرسم يعني نفس مثلا هاد الفنان اللي كيلعب كمال ولكن راه تغيرت الصوره وتغيرت حتى الخط باش كتمشي راه مغير على حسب 23 ولا 65 هادي اللي رسمت نفس الصوره. الى لاحظتوا سكريا الناس اللي كتابعوني راه الشكل باش كنرسم هاد نفس هاد السيد اللي كيعزف على اسمه كمال راه تغير خلاص هي وهذا هو الهدف هذا هو الهدف ولي باش نشرح الناس كيف ماي ستايل بيست اون كرياتيفيتي I always I grow when I grow I have to be ahead I have to be ahead هذا هو that's the secret I have to be ahead As you see, when I draw, I leave the space, empty space, before I accomplish the draw, the subject. So, and I'm always looking for some new. I always do. Meantime, I'm drawing, but meantime, I'm studying. You know, always I do that. See, always I was looking for something new. The same subject. But I'm looking for something new, something that I can add it to it, something that can revolution, if you allow me to say. I stop here like, you see, in this moment, the grizzly holding the child with love, is not just with love, with care. I see something. And next time I'm gonna change something, I'm gonna modify something, achieve something much better. I can do much better. I'm looking always for make that the drawing more magic, if you allow me to use the word magic. And always I have to be ahead, always I see something when I can next draw, I can draw the child with the grizzly. Different way. I always change. I never stay and same. Always. That's why. I just can't. I just can't resist. I wish I can just stop and just throw it same way I did before a couple years ago. But I can't do that. That's who I am. I just can't. You see, that's the example. That's the example. This guy who's eating sandwich. And I, yesterday, I was drawing it and I see something else I can do.
which you would see the same person in the same position, but it's not gonna be, it's a sandwich next row. Check it out, check it out. Here is the next one, same person, look at it. Now I'm gonna do same. This is what I tell you, my head is always set. I study, always, I go, but I'm studying. I'm going and I'm studying, okay? Look what, now, the same position, but this time is not easy, okay? This time is not easy, right? What he's doing, he's holding dog. He loves his dog. Now, the same position, but this time he's not holding sandwich. This time he's holding dog, which is beautiful. I was drawing yesterday. I was drawing him, and I said, "Okay, I can make him holding something. Maybe next time we'll hold something else. Who knows? We'll see." That's what I do. I was let me explain the French. Mon style, c'est que je dois toujours faire le dessin, mais en même temps, j'étudie et je dois toujours laisser un vide. Vous voyez, quand je dessine, je laisse un vide. Mais le style, ce style-là, c'est vous voyez, vous observez, mais vous ne savez pas ce que j'allais faire. C'est ça le mot. Substance de ce genre de dessin que je fais, c'est créatif. Comme vous voyez, d'abord, c'est une expérience de vie. Par exemple, cette dame qui est triste, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais je l'ai déjà fait différemment. J'ai déjà fait, elle est assise nue, maintenant je vais faire des habits. En même temps, comme il y a, je suis prêt de. Il a dessiné, juste triste, et tout à coup j'ai une vision de pourquoi pas, et en même temps il maintient son sac à main. C'est ça mon style. Mon style, always, je fais des choses, mais j'étudie en même temps. Et des fois même je fais la forme, par exemple comme le profil de cette femme, tu vois. Et j'ai vu que le nez c'est trop dehors. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ça c'était un profil du nez, mais le nez c'est déjà trop. J'ai pas aimé le nez. En même temps, je dessine. Alors j'ai choisi de changer la figure. Alors j'ai choisi le profil du nez. J'ai utilisé comme le, ses cheveux. En même temps et après. Ça, c'est des exemples que je suis en train de vous expliquer. Et ça m'arrive toujours quand je dessine. Toujours ça m'arrive comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Toujours, c'est pas la première fois. J'ai pas un dessin qui est terminé. Par exemple, je fais pas un dessin qui est fini et puis je le plante dans le papier comme ça. Non. Tu peux être sûr qu'il va changer. Hein. Ça va être différent. C'est toujours comme ça que je fais. Je ne fais jamais un dessin qui est préparé déjà et comme elle était. Non. Toujours il y a une modification pendant le travail que je suis en train de faire. Toujours parce que j'ai étudié. Toujours je regarde, j'observe. J'aime pas la forme, j'aime pas la main, j'aime pas ça. Je change. En même temps, je change. Et si j'aime le dessin, je vais garder comme ça. Et je passe à l'autre action, à l'avenir. Je peux faire une naissance. Toujours je fais une naissance d'un dessin. Un dessin que je fais comme ça, tu peux être sûr, à la prochaine fois, je vais créer quelque chose avec le couple qui joue la musique là. Je vais créer quelque chose. On verra. Alors j'espère que j'ai expliqué certaines choses que. Je n'ai pas pu l'expliquer comment. Et je vous remercie pour votre attention, votre temps. Et si vous aimez mon vidéo, vous pouvez le partager. Et si vous appréciez,
Vous savez ce que vous devez faire. Merci beaucoup. À bientôt.